Côté nous fait toute primaire nous. Jusqu'à là, et là nous entrons dans le secondaire, nous passons dans, et nous allons dans Jura-Gourg, institution secondaire Jura-Gourg, ISGG. Côté nous fait classe classique nous, et tout classique nous. De là, jusqu'à ce qu'elle finit, nous allons entrer dans l'université. Mais femmes bonnes dans ces blagues tout, les femmes dans ces biens là, malheureusement, il y a une jeune dans nous-mêmes, et quand on se bagaille tout petit pour dépasser la classe préparatoire 2. Alors madame là, dit, je ne vais pas séparer du mot ça, la fête tout dédoublée. Alors nous tout dédoublés, et ce qu'on est devenu, préparatoire 2, hein, et puis après nous traverser. On a fait classe 6e année et 6e secondaire pour nous capables de faire. Mais après, l'aime arrivé dans le retour encore, aux examens et au premier bac, il y a eu un l'air examen, baccalauréat, c'était Jean-Yves, il n'est pas passé. Alors, par contre, c'est après Minouessa, l'aime grand Minouessa. Dans la classe, nous épauler l'un avec l'autre parce que nous étions un seul. Et Jean-Yves passé dans l'extraordinaire. Et puis nous avons fait philo. Mais nous dans philo, il y a un bon résultat. Tout le monde pensait que Jean-Marie va passer en premier. Il y a un bon résultat, Jean-Marie va passer, c'est Jean-Yves passé en premier. Alors tout le monde est saisi. Mais dans l'histoire ordinaire, Jean-Yves n'est même pas qu'à la moins l'épaule et moins. On dit que pas de l'autre ça, Jean-Yves n'est pas l'épaule et moins. Je ne dis pas, l'un et pour l'autre, et puis qu'on est là, nous passons. Mais l'un arrivé dans le philo, dans l'année 2013, nous finissons faire philo pour étudier, parce qu'il y a des problèmes en bas en Haïti, des problèmes président. Jean-Yves voulait apprendre agronomie, mais moi je voulais médecine. Jean-Yves a été bloqué, la route a été coupée, même si je connais la combine, la route a été bloquée. Jean-Yves n'a pas sorti à Haïti pour la Martinique, pour la l'hôpital de Guariba, côté il a apprendre agronomie dans l'école d'agronomie. En 1994, je traversé ce nom. Je suis allé étudier dans l'université autonome de ce domaine, OAS. Les mêmes idées font été à Haïti toujours. Et puis, je n'ai pas eu avion, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait, même dans mon là. Je n'ai pas volé, je n'ai pas venu dans l'enterrement frère. Ça m'a empiré, je me suis dit, je n'ai pas venu là. En 2014, je me suis dit, je n'ai pas papier pour voler, il traverse par ce domaine, il y a un avion. Il est entré, Martini, l'a étudié, mais ça m'a même monté, installé moi-même, et c'est le même. C'est depuis les ans, oui, nous séparés. Depuis les ans, je ne peux pas vivre même côté avec, en 94. Depuis les ans, Jean-Yves André, Martini, c'est un prêtre qui a payé des familles pour faire payer études. Après ça, après 3 ou 4 ans d'études, Jean-Yves est même si je peux arriver encore, malheureusement, je ne suis pas là. Mais après la République dominicaine, je parle espagnol, je ne parle pas français. Il paraît que Jodi, pour le prendre un bac là, il faut qu'il fasse la salle. Puis là, côté de l'IA, il dit qu'il n'y a pas qui va quitter encore. Alors, mon bon ami, nous, côté, nous travaillons ensemble, nous faisons dans l'église, côté, nous travaillons. C'était ma comédie, c'est Sherry, nous sommes dans la caille, c'est Nélan Serran qui a accueilli la caille dans le monde. Non, Nélan Serran était Guadeloupe, mais copain, Nélan Serran était Martinique qui a accueilli la caille.
Et puis, au fur et à mesure, j'ai débarqué, puis je suis venu dans Guadeloupe. Et ma commère a fait toutes les démarches, ma commère a fait toutes les bagages. Et puis, je suis allé entrer Saint-Martin. Depuis là, ça nous a séparés. Parfois, on est entré en Haïti. Mais j'ai eu un petit job. Quand il est entré, il est marié avec Edwin. Marié avec Edwin, c'est ça. Après, il est retourné au travail. Et de là, il est adopté Zilessa, qui s'est marié comme deuxième patrie. Il n'a pas de gens qui voulaient retourner à Haïti pour la revivre encore. Mais il n'a pas de gens qui voulaient quitter ce matin pour aller dans l'autre côté. Il a proposé un pile de bagages pour le parti quitter. Il a fait une résidence pour aller aux États-Unis. Il n'a pas arrêté. Il a fait de là. Il a fait une ville là déjà. Il n'a pas arrêté. Il a commencé encore. Et pour lui, à l'époque, il a proposé pour rentrer à Paris. Il a dit non. Il n'a pas à Paris. Il va recommencer à Paris. Il parle de même chaleur. Il est joué dans nous-mêmes là qu'il a. Chaleur, ça qui fait que non seulement il est toujours, mais drapeau ici en haut, mais il dit peuple ça qu'il gagne comme deuxième famille, il ne va pas quitter eux, enfin, comme ça. Au lieu de retourner à Haïti, il fait visiter le pitou, mais pas aller. Je suis venu, je suis tourné. Mais nous faisons fête en 2019. Je ne connais pas si c'est à Dieu que j'ai dit. Il était fait une plus belle fête. Je suis assisté dans la ville. Et une plus belle fête, un pile de monde dans ce matin. Je ne sais pas si je fête comme ça. Malheureusement, il y a un pile de monde qui part là, qui ne peut pas faire ça. Mais les gens qui étaient présents, ils témoignaient aussi que c'est une plus belle fête qui était gagnée. Sous l'île Saint-Martin, quand il était réuni toute couche dans la société, parce que Jean-Yves c'était un monde qui était humain. Il était l'amour pour tout le monde. Il n'y a pas de différence, ni race, ni monde qui est pauvre, ni monde qui est riche. Tout le monde c'est mon ami. Tout le monde c'est mon ami. Même en vaudouisant, il n'y a pas témoigné, et même fois à ce matin-là, il s'est frère. Il n'y a pas jamais fait de différence. Entre nous-mêmes, il y a une différence entre les petits. Il y a une différence entre les petits qu'on a pris pour nous, entre nous-mêmes. Et. Songez. Dans les années 80, il y a un carnaval pour le prince, côté que. C'est là ça n'a pas fait de différence. Et là, ça pam, ça c'est beau, ça c'est pam. Côté, je choisis Scorpio d'Haïti, Scorpio universel. Dans le carnaval, et puis j'ai choisi TB Express. Mais après, nous côté, nous avons choisi même équipe football. Nous connaissons une passion pour le football. J'ai essayé de les mecs qui te remettent. Nous connaissons. Il était Argentin, il était Maradona, il était Messi. L'après, il bien d'abord pour le bon blague sur Messi, sur Maradona, tout le bagage. Alors, nous avons toujours gagné presque le même sentiment. Malheureusement, je suis converti. Moi-même, je suis franc catholique. Mais il n'y a pas de jamais fait différence entre moi-même et lui-même. Moi-même, je suis toujours respecté ma vie, respecté la foi. Et c'est une chose que nous devons gagner aujourd'hui. Respecter le choix que j'ai fait. Ça te remet. N'a pas obligé de remettre tout. Même si bagay ça n'est pas bon pour vous, mais c'est choix par lui, respectez-le. Respectez-le. Il te fait choix de, pour la vivre parmi le monde évangélique. Là. Et il a prêché, il a préparé et bagay toujours. Il veut montrer moi, mais ça me garde, mais toujours il y a une parole pour le soir. Pour l'expliquer, ça passe dans l'église, comment l'église aille, comment se faire. C'était un mec qui était, mais l'esprit tout,
Il est toujours souri, mais pour un bagage, ni pour lui. En rien, pas faire changer l'idée. Il dit ça avant hier. Global, t'es accueilli dans ce matin. En rien, pas faire quitter global. Ce matin, t'es accueilli. En rien, pas faire quitter ce matin. Alors, pour toutes les personnes qui m'ont dit aujourd'hui, m'était partagé Zile ça qui c'est avec Haïti famille nous six nous gagnons un grand frère nous qui c'est Mulé Marcelin et puis nous gagnons des jumeaux après ça nous gagnons Woodville qui c'est première fille là, et trois garçons avant, trois filles après. Et première fille c'est Woodville, deuxième fille c'est Pierre-Aline Marcelin, et puis troisième là, et quatre aux États-Unis, qui c'est malheureusement n'est pas là, mais là, suivre nous là, avec des larmes aussi, parce que j'ai été remis en pile. Après moi-même, j'ai été remis en toute chose, et l'autre qui s'est remis. La famille a réussi parce que vous connaissez ça. Jumoyo et mère toujours aimé l'autre. Mais après ça, Pipitia, il était toujours avec Pauline, il était toujours blé. Si vous voulez pas passer, faire passer par bébé pour que les gens puissent accepter. Parce qu'il était un penchant vers bébé. J'ai été marié, il y a un petit garçon, Yves Jean Junior mentionné. Il peut être donné, mais il y a un petit monde qui a adopté tout, malheureusement, qui parle, qui a été, qui n'est pas capable d'assister dans la cérémonie là, qui s'est maillé, malheureusement, qui parle. Jean-Yves, c'est ça, déjà, Jean, tout le monde dit là, caméra, bon, pourquoi faire caméra ça? Il n'y a pas de gens qui viennent avec la caméra. Il qui montre le métier, mais il dit, mon cher, et moi fais mon métier, moi tout dans le ou dans live Haïti, mais même, pour les gens qui viennent, en tant que médecin, je travaille dans l'après-midi. Et je travaille 8 jours, après 8 jours, je suis libre. Je travaille dans le bureau, mais je ne pas travailler. Dans le temps, je suis libre, je fais tout ça. Mais dès que je fais un live, j'ai eu l'après-midi pour ça. Après, je fais un live. Mbalo. Je non. C'est pour ça que je joue et après, et puis je vais pour faire des. Parce que je vais vous mettre là. Même si nous avons une population qui est là, qui remet les gens là, dans la mettre, c'est pour ça. Il y a même tout. Je ne vais pas. Je fais pas au prince, je dis non. Mais après, étude, qui est là-bas, je suis resté pendant 8 ans. En total, je fais 15 ans en République dominicaine. Après 15 ans, je ne suis pas tout retourné pour au prince, je pense que c'est un problème. J'ai entré en 2009. De 2009 à aujourd'hui encore, ça fait 15 ans encore, depuis que je suis quitté pour au prince. Ça fait 30 ans depuis que je suis quitté pour au prince. Et ça fait 15 ans depuis que ma ville Wanamet, qui c'est une ville qui accueille, même j'en ai accueilli Jean-Yves Lagos ici là, Wanamet accueille moi. Et vous avez dit ça, mais il y a autant de grands pays qui ont dit que je ne vais pas faire trop de temps. Les grands pays qui ont dit que je vais mentionner pour nous remplacer Jean-Yves. Mais si je vais mettre dans le débat dans la bouche, c'est un problème, c'est réel. Jean-Yves, pas mourir, nous voyons ça dans le visage, moi, il a toujours été dans le cœur. Jean-Yves, pas mourir parce que moi-même, il faut me retourner là, à chaque fois que je suis capable, à chaque fois que nous voyons, nous voyons Jean-Yves, dans moi-même. Moi, dis-nous, au moins nous gagnons 30 ans, nous ne pouvons pas vivre ensemble, nous séparer.
1994, à nous, ça fait au moins 30 ans, depuis que nous ne vivons pas ensemble. Mais tout geste, toute façon, moi, c'est lui-même. Tout ça, moi, c'est lui-même. Même si je ne suis pas lui, geste où elle fait, elle a avec nous, c'est geste que moi fait, les moi en mettre. Oui, c'est seulement ça. Jean-Yves, il était malade. Malheureusement, il n'est pas de grand bagage au sérieux. Ou bien, ça fait 2 ans ou 3 ans, la pelle fait analyse, qu'ils ont analyse, il dit que tout paraît normal. Là où il détecte qu'il fait sucre et diabète, les diabétiques, il aurait été là, il y a pas de médecin pour diabétique. Et il y a un petit frère, un petit soeur qui va bon thé. On est ici, oui. Ouais, bon thé pour créer des maladies. Et pourtant, maladie et pas. C'est la maladie ça qui est bon thé fait vrai. Parce que pancréas, c'est lui-même qui est pour avec ce sucre-là. Malheureusement, c'est lui-même qui est malade. Foi. Il boit avec ce cadeau, mais lui-même, le médicament en bas, c'est pour le sucre. Moi, je n'aime pas faire le sucre. Moi, je n'aime pas faire le sucre, Dès que quelqu'un vient, il y a un tonton qui fait le sucre. Mais malade, le médicament en bas, je pensais que c'était ça. Et jusqu'à ce que j'ai quitté ce matin, libre aller et. En France, l'hôpital Saint-Martin dit, c'est pas grave, si vous voulez aller, vous pouvez aller pour qu'on tourne. C'est pas nous qui voyons. Parce que quand ça a nous qui a résolu, nous voyons ici. Quand ça a nous qui a résolu, dans Saint-Martin. Les gens qui étaient là, nous avons eu Anaël qui t'a accompagné, qui était là avec lui, comme campagne qui campait avec lui, comme compagnon qui campait avec lui pour lutter avec lui dans la maladie. Ils ont dit qu'il a payé tous les frais qui ont pris aller avec lui. Bien que Global Transfer ait répondu pour aider le traverser pour aller à Paris, mais ils ont dit lui, il a payé tout le frais. Et si vous allez en France, c'est pas eux qui vont aider. Parce que ça, il y a un autre bail qui est simple, un autre bail comme ça, comme ça. Peuple, c'est maintenant. J'ai dit non. Si le malade, ouvert le genou. Mais ça, j'ai voulu, moi, il y a écrit moi avant de mourir, il a dit moi. Ça qui est moyen, les malades, si nous sentons, les gens qui ont des médicaments, nous allons arrêter là toujours. Si nous sommes en France, nous traversons la métropole. Parce que si nous connaissons, je dis à la gente, comme là, ce n'est pas un bagage qui a fini là. Même. Il a toujours vivant avec nous. C'est parce que, si nous avons des gens, nous pensons que ce n'est pas très simple. Ça va aller. Et puis arrivé en France, lui-même, il y a espoir de tourner par ici. Tout ça, la fin, il y a espoir de tourner par ici. Il a dit, il va faire chimiothérapie là-bas, c'est chimio à l'abdomen. Je docteur a dit, lui, il n'y a pas de chimio encore, il est trop faible, c'est déjà tout le temps. Il y a une dépression qui prend lui. Il n'y a pas la pièce pour lui. Ma prière, il n'y a pas répondre. Et puis, il n'y a pas répondre. Il n'y a pas répondre. Tout le monde qui est là, il n'y a pas répondre. Là où est Junior à Galen, dans l'hôpital là, il dit qu'il n'y a pas la pièce pour lui. Mais il ne peut pas connaître qu'il n'y a pas de il n'y a pas de chimio. Ça, c'est désolé, c'est le salut de Minoué. J'ai envie de garder. Dans mon petit livre, il fait 13 heures, il n'y a pas de tourner ce matin encore. Et c'est
de mes aïeux dit ça. Ça va être 3-4 jours, sur 5e jour. Donc, il y a eu nous, il dit nous. Désolé, car perdu. Mais au cas perdu, c'est comme si il y aurait maintenant. Reste, quoi? Et puis, mais aussi, nous sommes dans ma tête. Dans l'après-midi de nos lives, nous avons un terme comme ça. Nous avons dit ça, mais nous avons un mec qui mourit. C'est ça, il vient de me dire, pas de bien encore. J'ai eu mourir. Mais, il mourit avec chagrin, parce qu'il n'a pas qu'à tourner sous l'île ça. Il était ouvert la porte pour lui. Il mourit avec chagrin, côté du pas qu'à. Parce que j'aime quand même les amis qui en plus amis qu'il aimait, en plus amis qu'il était, j'ai été même projeté en mois de septembre, qui a fait 5 ans, de faire fête. Il a payé tout le monde, depuis la petite, tout le monde qui gagnait tout partout dans le monde entier pour le faire venir. Non, en termes, et non, fête, dès que c'est 26 septembre qui a fini là. Il était projeté chaque 5 ans, dans la fête là. Mais quand même, quand on est qui l'ont gravé, ou même, ou pas capable. Projeté dans 3 ans, 4 ans, qui sont prêts à le faire. Parce que, il était projeté chaque 5 ans, dans la grande fête comme ça, même fête nous défait. Même fête nous défait en septembre 2019 là. Nous avons fait une en 2024 là, en septembre. Il était même commencé à inviter tout un pile de monde, par Bamini, par Comeli, un pile d'autres monde, ceux qui nous connaissent, mais nous commençons à faire une réservation pour la fête là, 26 septembre, pour la fête. Peut-être à ce là, cette qui va le faire, c'est dans le ciel là, parce qu'ils ont bon, j'ai eu tellement, et moi je dis, je ne bon parce que Jean-Yves est un bon dieu sur terre. Il était un bon, un homme humble qui n'a jamais voulu tête qui paraît. Il n'a jamais voulu, c'est un monde qui nos services pour pas rendre. Il n'a jamais voulu tout que côté lié, position qui est liée, tout le monde qui a besoin de service, il faut qu'il joue. La prêter l'argent pour le voir par les gens qui m'ont donné l'argent. Il y a un team sur Facebook là, côté que team du moment, côté chaque monde qui participait en bas de la live, il voulait l'argent pour lui mettre 4. Il dit que je ne servais à 4 pour gagner live. Live, je m'a prêté pour l'argent. 4 ça que vous voulez pour garder live. Un monde comme ça, il n'y a pas pour lui. Donc, comme ça, il doit être dans le cœur. Chaque train dans nous qui là, dans ce matin, en Haïti et partout. Remerciement qu'on a fait, c'est. Il y a une infirmière qui t'accompagne durant. Voyage, j'ai sorti et c'est matin pour arriver en France. C'est en Gerville, Wilda. En Gerville, c'est lui qui a accompagné lui pour arriver ce matin. On a dit merci pour ça. Merci à la famille humaine que les gens étaient en difficulté dans ce matin. Qui baille tout au même, on parle de Anaël, toute famille, ma famille, qui te baille tout au même pour te faire Jean-Yves, qui est bien vivant, au moins 2 mois ça, qui se passe là, de février, surtout de février à moi, et à Vila là, à moi, à la lettre mouille là, 7 000 lettres mouille là, famille, ça te campe avec.
tout le monde qui a tout le monde qui a l'église qui est toujours avec lui, tout le monde qui a loué lui, c'est réunir. Parce que tout le monde a été en Wally, mais de l'hôpital. Et il y a pile en pile d'autres qui ont été en Wally dans ce matin. Mais en France, il y a pile qui ont été en Wally, mais quoi de tellement venu? La guerre, il n'y a pas de pièces pour nous garder visage. Si nous avons dit à nous visager, moi-même, j'ai eu 2 mois, pendant 3 mois, je n'ai pas eu visage. C'est avant de mourir. Hein? Et puis, je fais une vidéo côté la montre de Jean-Yves qui est allié. Parce que je voulais même regarder le visage, parce que le visage est descendu. Mais peut-être si tu connais tout, si tu regardes le visage, c'est moi-même. C'est lui-même qui est dans moi-même, moi-même dans lui-même. Et hier, les fois, je regarde le visage là. Je vois ce visage, je ne vois pas rien. Qui s'en doué le visage? Je ne vois pas rien qui est anormal. C'est un Jean-Yves qui couchait, qui jeûne à ses salines. Maladie capable de retirer tout et la sous. Mais l'esprit qui était sur Jean-Yves là, il était intact. Et lui-même, il demeure en lui-même. Et moi, je pour continuer à saleté, projeté dans la vie et saleté de faire dans la vie. Nous avons mis sous pied fondation et Jean-Yves Marcelin, nous avons regardé qui a fait ça. Très bientôt, ma bonne réponse. Dans le remerciement, nous devons remercier Global Transfert, qui est une et maison qui permet que Koala Jodia, qui permet que nous joignons Jean-Yves pour nous garder Jodia, Jean-Yves là. Mais, tout le monde, toute l'église, même l'église de Dieu, assemblée le 1er mai, nous disons merci pour. Mon et mon foyer et toute autorité qu'il a, toute l'église nazarienne qui a accepté que ce qui a été fait là, nous disons merci. Nous disons merci, moi je dis merci à Tano Créole, vous avez simulé au monde pas dit. C'est méchant. À Tano Créole, qui sont des députés en pile, qui t'a exercé avec eux. Il te montre tout ça qui connaît et voulait que le groupe ça avance. Donc, le vie, c'est. Nous avons fait un tour de commencer dans Wanamet, dans ce matin. Qui a un pile projet de vente pour réaliser. Nous arrivons déjà sur le 15e épisode. Par exemple, il y a un pile qui va connaître sur YouTube là. Donc, le vie, c'est Jean-Yves. Il fait rentrer et sorti à ici pour participer dans l'épisode de ici à 20 minutes. Et le drôle de vie, c'est il prend vie, j'en vais. Son drôle de vie, j'ai été montrer nous la vie à qui j'ai ni dans l'église, ni mon qui tout partout, qui j'en vie haïtien, non seulement, mais partout dans le monde. Qui j'en haïtien vivre, qui j'en mon église vivre. Nous connaissons, même j'en gagne hypocrisie, nous n'avons pas mis haïtiens qui parlent de bon Dieu, comme ça que dans l'église, et à travers les doigts de la montre qui hypocrisie, qui a gagné, qui a existé, nous avons un monde qui dit c'est seule l'église, mais par en bas, il n'y a pas montré ça dans la ville. J'ai monté qui m'ont lié, même si j'ai dansé tout partout, j'ai été un bon chrétien. Même si j'ai dansé tout partout, dans tout live la fin, ça c'est télévision, c'est Jigre qui a été chéri, il est détaché par les salauds. Mais après ça, Jean-Yves, c'est une de mon chrétien, je suis capable de dire qu'il existe. Et avant de mourir, il m'a dit pardon à mon Dieu. Et je crois que. Pour te pardonner,
Et tout ça y a dit sur tout lui, tout ça on a pensé sur et pour lui, nous pas cacher. Et il a gagné seul Dieu Abraham, Isaac, Jacob là. C'est lui qui a gagné. Et jusqu'à la mort, jusqu'à dans ce cœur, il relève le montage. Jean-Marie, moi c'est chrétien, moi j'ai gagné seul Dieu. N'importe ça qui est arrivé, moi, l'appel dans la volonté de mon Dieu. Je ne veux pas participer dans rien qui est capable de déranger ou, en tant que frère, mais qui est capable de déranger le chemin vers mon Dieu. C'est ça que je me dis, moi, et je respecte la parole. Moi. Malgré tout le bagage qui t'a dit, mais je respecte la parole. Moi. Parce qu'il te dit, mais ça, mon Dieu là, si mon Dieu te voulait, il échappé avec maladie ça, il t'a échappé. Et le bon Dieu, relé au monde, il a relé lui pour un bagage qui est grave, non pas pour coller, mais pour nommer. Bon Dieu devait sauver nom Jean-Yves, il retire lui dans le temps nous. C'est un chrétien, frère chrétien. Jean-Yves, si bon Dieu est l'église, ce n'est pas pour rien. Parce que le monde est retiré, il y a plus de qui est retiré dans le chemin, qui est pile devant, que nous-mêmes, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas. C'est bon Dieu grand monde, il fait sale. Alors, c'est comme ça, je vous dis, remercie à toute famille qui sont tout partout en France, États-Unis. Et que le Dominicain et Saint-Barth, mais un peu de monde Saint-Barth là, et Guadeloupe, tout partout, la Kaila, qui sont de Guadeloupe, un peu de monde de Guadeloupe, pour venir dans le terme ça. Nous-mêmes, nous perdons toute une journée, nous venons là, nous sommes en pile, nous nous merci. Omega, qui était par la participation pour veiller. Et c'est Jésus là, c'est Guerline. Tout le monde qui va passer sur nous. Pas d'oublier nous, pas de nous passer non nous. Et puis ça m'a rien là, mais on dit là. Et malheureusement, il échappe nous. Tout le monde qui permet que la cérémonie ça réalisé aujourd'hui hein, pour nous voir Jean-Yves aller en paix. Et pour être présent là, ce consul là, ces collectivités là, qui devaient tout ça capable pour te faire moins présent là. Je dis ça, chemin Haïti coupé. Chemin Haïti est coupé dans le sens que n'y a pas de ambassade, pas de consul là qui est ouvert. Il n'y a pas de bon visa. Il y a un visa américain, visa fini, je n'ai pas de temps renouvelé. Mais la préfecture a fait toute folie pour te faire rentrer là. Et moi là, l'autre soeur est capable de suivre moi, l'autre femme est capable de suivre moi, mon tout pas au Canada qui a suivi moi là tout, ils sont capables de dire que c'est grâce à la consul. Consulat, préfecture et collectivité, c'est eux-mêmes qui permettent que nous campions là. Et puis nous tous et l'autre qui fait effort pour permettre que nous là, nous gagnons un infatigable, qui c'est Jocelyn, qui te fait toutes les ans pour permettre que nous arrivions là, et c'est qui t'a cherché Mario Bon. C'est président de l'association, vice-président de l'association, l'association des arts, qui n'est pas capable. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Tablier, Jean-Yves, pas mourir, Jean-Yves vivant. Et marquer même Jean-Yves vivant, quand ça nous va mettre dans ce ministère-là. C'est une partie de moi-même. C'est comme si Jean-Yves était gagné, il y a un morceau, Jean-Yves pas de jambe, on seul.
À chaque fois qu'elle est ici, il y a un morceau qui est ici. À chaque fois qu'elle est fait béni, j'ai été fait un seul. Là, nous sommes deux mondes, nous sommes Jean-Yves, nous sommes Jean-Marie. Je dis à la moitié qui allait, la moitié Jean-Yves l'a allé, même l'autre moitié, il est toujours venu nous présenter nous là comme assemblée, comme peuple, et maintenant, les vivants. À chaque fois que nous regardons, nous avons pris Jean-Yves de nous-mêmes. À chaque fois que nous avons une parole, pour nous dire Jean-Yves, nous avons dit, c'est Jean-Yves qui est présent. Non, nous n'y arrivons pas, mais collé, on partit dans le collé, il était vivant. Merci tout le monde, merci, merci.
est avec toi. Plus jamais loin de toi. Maintenant il est avec toi, il est à toi. Plus jamais. La première appel là pour 34-74-AAA, c'est un item gris qui génère la travestie chauffeur là, c'est merci là pour pouvoir bouger tout le monde. Et tandis que nous avons accueilli Junior Marcelin, le fils de Jean-Yves, dans les loges de Jean-Yves, Junior Martin. Des jeunes à la cathédrale de Port-au-Prince, à Flambeau des Cœurs, groupe de théâtre dont nous étions tous à l'origine, mon autre compère et moi, son alter ego, Jessica Placide, Aïs Claudie, Jocelyn Joël, et nous regrettons Jean-Noël Coutard du Tissigence, que Jean-Yves est parti rejoindre maintenant. À l'âge où certains traînaient dans les rues, Nous étions un petit groupe de privilégiés. Nous veillons l'un sur l'autre. Nous avons partagé le pain, l'eau, les rires, les pleurs et les chagrins. Du théâtre national pour les cours de dramaturgie, le volleyball au Collège Saint-Pierre, les premières campagnes de vaccination en Haïti et les premières campagnes d'alphabétisation, nous étions toujours ensemble. Tantôt espiègle, tantôt loufoque, on ne se prenait jamais trop au sérieux. Nos longues soirées, quand il prenait la guitare pour pousser la chansonnette, j'en ai bavé avec la sauveur Jean. Quand je mettais mes peines de cœur sur mon cahier de jeunesse, avec son frère, il les mettait en musique. Tu t'en souviens, Jean-Marie? Les soirées organisées chez tes parents, déjà à terme, noir et blanc. Il y a quelque chose d'indéfinissable dans les liens qui nous unissaient. De notre meilleure patrie à Haïti, à la Martinique, la Guadeloupe et enfin Saint-Martin, nous ne nous sommes jamais sentis loin l'un de l'autre. Que ce soit par téléphone, sur les réseaux sociaux ou nos retrouvailles physiques, toujours le même plaisir, la joie, le bonheur de se retrouver. Son bégaiement quand il n'était pas sûr de ses dires, sa bienveillance pour ne pas blesser les autres, il était le seul que mon regard tueur n'atteignait pas. Quand je me fâchais, il me disait, rentre tes fusils, ça ne marche pas avec moi. Quand j'ai eu des problèmes dans ma vie privée, il était là comme gardien du temple. Peu importe les situations, il a toujours été de mon côté. C'était toujours nous contre les autres. Ses défaites étaient les miennes et ses victoires aussi. Avant de prendre une décision, il m'appelait, il écoutait avec attention.
son humilité devant les choses de la vie, son optimisme, quoi qu'il arrive, le meilleur est à venir. Ma prière aujourd'hui, mon compère, c'est que tu sois dans le meilleur là où tu es. Je me rappelle notre dernière conversation téléphonique il y a peu. Ma commère, la prochaine fête des jumeaux à Saint-Martin, tu es là. Ça ne se fera pas sans toi. Ce jour-là, on a parlé encore une fois d'organiser une grande fête pour retrouver tous nos anciens amis. Tu étais mon ami, mon frère, mon compère, mon crocodile. Parler de toi au passé n'est pas dans ma configuration. Te souviens-tu de nos fourrures en Guadeloupe quand nous reculons à chaque fois les aiguilles de l'horloge afin de rester tard à regarder la télé pour que ma grand-mère ne sache pas quelle heure il est? Tu fais partie de ces êtres de lumière qui illuminent la vie de tes proches. Toujours le bon mot pour rire. Nous partons, nous réfusons pour nous. Un état d'esprit à toute épreuve. Tu étais prête encore une fois à faire face, à revêtir ton armure de combattant, mais se lâche. Qui arrive quand on s'y attend le moins, t'a attaqué en traître. Jusqu'au bout, tu lui as tenu tête et tes proches ont pu t'exprimer leur fierté. Tu es parti entouré d'amour, d'affection et d'amitié. Votre présence à tous ici en est la preuve. Tu pars, mais ton héritage demeurera toujours. Je pense à Junior, ton fils, Maëlie, ta fille, tes frères et sœurs Jean-Marie, Muller, Pierre-Lyne, Rosumi, Myriam, tes nombreux filles que tu aimais tant, dont Mignonne, ma fille, et mon fils qui t'appelait parraine et que tu appelles fille. On ne saurait oublier Lynn qui a partagé ta vie pendant de nombreuses années, et ta fiancée Anaëlle, qui jusqu'au bout est restée présente pour toi. Nous garderons précieusement dans nos mémoires l'homme que tu étais, et nous chérirons toujours ses souvenirs. Oui, Jean d'Orbesson a raison. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents de la mémoire des vivants. J'aurais aimé que ce jour n'ait jamais existé. Je n'imaginais pas pleurer ta mort. Mais je suis reconnaissante d'avoir pu côtoyer un être aussi bon que toi. Nous ne nous sommes jamais fâchés. Enfin, sauf que moi je faisais la gueule, mais tu t'en foutais. Merci à Saint-Martin de t'avoir offert une famille, des amis. Quand la question de l'ailleurs se posait, je voyais ton désarroi, car tu étais profondément attaché à cette île. Ma vie est à Saint-Martin, me disais-tu. Mon travail dans lequel je m'épanouis, le contact avec les gens, tu ne te voyais pas travailler ailleurs. Tu me parlais de tes collègues de travail, ton patron, des gens qui. Et pour conclure, nous nous rappelons qu'un 21 mai 2024, nous avons mis en terre un homme bon, un patriote fier de son île, Jean-Yves Haïti Chéri, tout un symbole. Un jour, la prospérité parlera encore de toi, en cet instant précis, que le vent emporte avec lui nos mots au-delà de l'infini, et qu'au moment dit, les anges puissent t'accueillir près de ton Père céleste. Ton étoile brillera toujours, mon compère. Tu seras certes absent, mais merveilleusement présent dans nos mémoires. Mesdames et messieurs,
Nul n'est censé ignorer que la mort tient sa source dans la désobéissance et de ce fait,
personne ne peut y échapper. Quoique présent à l'aube de l'existence humaine, c'est un phénomène avec lequel l'homme ne peut s'habituer et elle ne cesse de semer de la panique parmi nous. Face à ce phénomène, demanderions-nous tous si nous pouvons vivre plus longtemps. Et Job de nous dire, l'homme né de la femme à la vie courte, mais des tourments à satiété. Job chapitre 14, verset 11. Dans la course de la vie, on peut être objet de diverses épreuves. Mais en face de la mort, toutes les autres épreuves de la vie semblent mineures. La séparation peut être soudaine ou arriver après une longue maladie ou des souffrances prolongées. Cependant, quelles que soient les circonstances, dans quelles que soient les circonstances, la mort est toujours cruelle parce qu'elle déchire des vies, elle brise des relations, elle laisse un vide, une place immense que rien ne peut combler. Ainsi, chers amis, ce mardi 7 mai 2024, un marteau vient de tomber. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Haïti, Saint-Martin, ont perdu un grand homme dans le vrai sens du terme. Jean-Yves Marcelin, l'acte de l'Haïti chérie, le super sympa, le serviable, l'homme de tout le monde, le respectueux et respecté. Jean-Yves Marcelin s'est misérablement été après des jours d'hospitalisation à l'âge de 55 ans. Quel regret. Et nous dirons en cœur, Jean-Yves, trop tôt pour partir. Il était inlassable, il était partout et en tout. Jean-Yves a été notre caméra. J'ai bien dit notre caméra. Parce que c'était à travers lui, à travers sa page, qu'on pouvait voir et entendre. Voir, entendre et revoir ce qu'on n'a pas pu voir et entendre. Ce n'est que maintenant toutes les églises s'efforcent de se mettre en ligne. Mais dans le temps, nous n'avions que Jean-Yves est vital pour notre visibilité. Qui va combler ce vide laissé par ce financier? Nous avons perdu celui qui n'a jamais ménagé ses efforts pour contribuer et participer dans les activités communautaires. On dit que les grands hommes ne meurent jamais. D'où Jean-Yves sera encore là à travers ce qu'il a fait. J'ai eu le privilège de côtoyer M. Jean-Yves et nous avons assisté à plusieurs réunions ensemble. Ce que j'ai pu constater et déduire de lui, c'est qu'il a vécu une personne humble et on n'avait pas besoin de beaucoup de temps auprès de lui pour l'apprécier et être apprécié de lui. Lorsqu'on m'a alerté de sa mort, mon cœur s'est brisé parce que j'attendais à ce qu'il soit guéri et qu'il nous revienne. Dans de tels carrefours de la vie, chers amis, frères et sœurs, on a tendance à dire, Seigneur, nous ne te comprenons vraiment pas. Pourquoi as-tu permis cela? En effet, par expérience, quand les circonstances de la vie nous guettent de la foi, seule la Bible a les réponses. À ce moment, Isaïe va dire à chacun de nous, ne le sais-tu pas? L'Éternel ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Isaïe chapitre 40, le verset 28. Toujours par la bouche d'Esaïe, l'Éternel nous parle en nous disant que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Esaïe 55, le verset 8. Oui, Seigneur, tu es bon envers nous de mille et une manières, y compris écouter nos doutes et nos questions à ton sujet. Cependant, chers amis, frères et sœurs, éplorés, écoutez ceci. Les réponses que Dieu nous donne dans sa parole ne dissipent pas nécessairement notre tristesse, mais nous pouvons toujours compter sur le fait qu'il est sage, souverain et bon. Chaque peur laisse une vie que seule la présence de Dieu peut combler.
Et si nous demanderions nous tous pourquoi la vie est-elle si courte, je vous assure que toutes nos interrogations, toutes nos exclamations seront dissimulées si et seulement si nous nous approchons à Dieu et à sa parole, et surtout à cette idée que Jaïr est au ciel, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er à 25. Cette idée peut grandement vous réconforter et vous consoler malgré les tranchements de vent que peuvent causer des circonstances pareilles. Car pour nous chrétiens, c'est une joie de savoir que lorsque le croyant meurt, il se retrouve instantanément avec Jésus. L'apôtre Paul l'a dit ainsi, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Là, plus de douleur, plus de tristesse, plus de péché, plus d'injustice, seulement la paix, seulement la joie, seulement la gloire. Jean tourné dans mon tracassa encore. Il est parti retrouver son maître, et ceci pour toujours. C'est moi avec qui ne combat, c'est moi avec qui a lutté. Les enfants de Dieu ne disent jamais à Dieu, réclamons la grâce pour exercer la prudence et la vigilance. Vivons pour la gloire de Dieu chaque jour, en espérant retrouver Jean-Yves dans l'éternité bienheureuse. Au nom de tous les pasteurs de l'île et de la grande famille chrétienne, au nom de tout un chacun et de la communauté tout entière, nous voulons formuler une pensée spéciale de sympathie à toute la famille, amis et sympathisants, enfin, à tous ceux et celles que ce deuil afflige. Nous voulons vous dire que votre couleur aujourd'hui est la nôtre. C'est la couleur de toute la grande famille chrétienne de l'île qui vient de perdre l'un de ses vaillants, l'un de ses combattants. Nous vous disons courage avec l'aide du Seigneur et que la paix et la toute consolation de Dieu soit votre partage à cette circonstance douloureuse. Que le Seigneur vous console tous. Bonjour. Bienvenue, maintenant je vous invite à vous lever un moment pour accueillir le pasteur Johnny Dumas de l'église Résurrection et Vie, là où Père Jean-Yves a persévéré pendant de longues années. Il a connu ce bien-aimé et c'est lui qui va nous adresser des mots de réconfort. Pasteur Johnny Dumas. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir tout le monde, pour vous asseoir. Je veux donner gloire à Dieu ce soir, parce qu'il est toujours bon. Je vais dire deux phrases quand même juste avant de dire la parole. Je voudrais remercier le pasteur de me voir, parce qu'une fois que l'information, la nouvelle a été donnée que j'en étais parti, m'a dit, pasteur Johnny, l'assemblée, le temple est à ta disposition tout de suite. Donc, je vais lui dire un grand merci, grand merci à tout le monde. Merci. Et tout de suite, il nous a conduit, enfin, personnellement, les informations, une réunion avec les pasteurs pour mettre tout en place ce qu'on a ici, sans oublier, c'est le Martin. L'association des arts aussi qui met en avec les pasteurs qui ont tout fait. Donc, Jean-Yves, il est parti, mais il a impacté les vies. Et donc, ce soir, je veux dire vraiment, cet après-midi, merci pour les pasteurs, le travail que vous avez fait. Merci aussi pour l'association des arts. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire à la famille, ce n'est pas la fin. Je voudrais vous encourager. Dieu, jusqu'à maintenant, vous a donné la force malgré la difficulté, cette perte naturelle. Mais on sait déjà, je n'en veux pas avec le Seigneur. Il vous a donné la force, il continuera à donner la force jusqu'à ce qu'on traverse ce moment très douloureux et difficile. Vous êtes bénis, que la bénédiction de Dieu reste sur vous. Maintenant, je veux dire à tout le monde, l'évangile est une bonne nouvelle. À toutes nos difficultés, à toutes nos circonstances, Jésus n'a pas manqué un domaine de nos vies pour pouvoir la réponse, pour produire, pour donner une réponse. Nous sommes des hommes. Et par ce fait, il nous manque des connaissances.
mais la prière fait de grandes choses. Alors je veux dire à tout le monde aujourd'hui, Jésus est exceptionnel. Dans un certain des chrétiens, avec des amis, avec des invités, avec tout le monde fidèle, je voudrais vous dire, à travers tout ce qu'on a vécu tout à l'heure, le Seigneur Jésus est toujours là. Il a promis de ne pas nous laisser, de ne pas un peu le monde. Jean-Yves, mon frère, je l'appelais président. Je ne savais pas qu'il était président d'une association. Il m'en a toujours parlé, ça doit être peut-être qu'il a oublié. Je l'appelais toujours président. Je dansais avec lui, on passait des bons moments. Et c'est vrai, il y a un frère, je ne sais pas, voilà. J'ai tellement de choses je peux dire de lui, mais c'est la parole que je vais partager. Mais je veux quand même dire que Jean-Yves Marcelin, c'est vrai, il était un chrétien. Il était un chrétien et il aimait beaucoup le Seigneur Jésus. Il était toujours souriant. Serviable. Il était toujours là pour m'aider. Le premier caméraman qu'on a eu dans l'église, c'était Jean-Yves. Un monsieur que Dieu a béni tellement, pour moi, une caméra professionnelle. Je l'ai pris, je le tenais tout de suite à Jean-Yves. Je ne sais pas ce que ça a pris, mais il a bien travaillé. Donc toujours serviable. Il était cool. Ce n'est pas quelqu'un négatif. Il était vraiment cool, ouvert. Tout en étant sérieux. Quand il y a quelque chose à faire, me dit pasteur, je suis là. Ça fait pratiquement 23 ans, c'est sûr, plus de 20 ans qu'il est à l'Assemblée, qu'on passe des moments formidables. Jamais eu un problème avec lui. Il était respectueux, mais une chose entre lui et moi, enfin, je peux dire autre chose, il aimait s'habiller, il aimait être chic, il aimait... Aïe, 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 j'arrive, je suis habillé pour toi. Donc voilà les peu de mots que je voulais dire pour Jean-Yves. Maintenant, ouvrons la parole. Vous savez très bien, je vous disais que la parole de Dieu est une solution pour toute situation. Et l'homme n'ayant pas la solution pour toute situation, Dieu lui a accordé la grâce d'avoir la foi, la mesure de la foi. Et donc ce que nous on ne peut pas faire, on peut mettre notre foi en Dieu, que Dieu sera là pour nous dans les situations. Amen tout le monde. Donc c'est un verset de la Bible très 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 bien connu. C'est un de mes favoris. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a préparé pour des moments comme maintenant, mais c'est jamais facile parce que ce sont des moments de perte, de séparation, de passer à autre chose. Mais n'empêche, comme le pasteur Lucien avant moi disait, dans la parole de Dieu, il y a solution pour toutes choses. Je veux vous soumettre quelque chose concernant Jésus. Et donc, je prends ma Bible dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 11. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 11. Et le verset 24 à 25. La Bible nous dit, au sujet de Lazare, il dit, je sais, Marc qui parle, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ce ne sont pas des paroles à la légère. Ça doit être des paroles qu'un homme doit être à la hauteur pour réaliser. C'est facile de parler, mais de réaliser des choses, c'est une autre situation. Ce qui fait que nous croyons en Jésus, que nous lui avons donné nos cœurs, c'est qu'au travers de toute situation, non seulement il est fidèle et qu'il est là, il est à la hauteur. Et il y avait de la place pour Jean-Yves, il y a la place pour toute l'humanité. L'heure de la croix du calvaire, c'est que Dieu n'a oublié personne. Dieu nous aime. Et c'est pourquoi Jésus a payé un prix pour que les pleurs, les douleurs, les souffrances, il y ait une solution à cela. Je ne m'inquiète pas pour Jean-Yves. J'ai été profondément touché aussi. Aïe, un frère, un soir, après la réunion, je parlais à un frère, à nous, il dit, mais pasteur, tu ne vas pas pleurer maintenant.
Mais il y a certaines choses qui touchent. Amen. Amen. Il y a certaines choses qui touchent. Et donc, je veux vous dire que Jésus est à la hauteur. On ne croit pas en lui parce que c'est seulement une bonne chose à faire. On croit en lui parce qu'il est fier. Je veux croire que nous sommes des chrétiens en majorité ici. Et de la même manière que notre foi est en Jésus, la foi de Jean-Yves est en Jésus. Et la même promesse que Jésus a fait à tout le monde, il a fait à Jean-Yves aussi. Et donc Jean-Yves a bénéficié, a reçu sa part de réconfort avec Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, je veux dire une dernière chose. J'ai deux autres versets, on m'a dit de ne pas être très long. Donc, deux autres versets, je vais vous montrer quelque chose. Matthieu, cette fois-ci, le chapitre 17. Matthieu 17. Et je lis le verset 22 à 23. Il nous dit ceci. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Donc, la mort donne toujours un sentiment d'être triste parce que c'est quelqu'un cher, comme quelqu'un que l'on aime. Mais quand nous voyons ce que Jésus dit ici, il est vrai dans la question de la mort. Tout de suite après, on a la question de, on est attristé. Mais c'est toujours, ça finit toujours avec une parole qui réconforte et qui bénit. Il ressuscitera. Et une des choses que j'ai trouvées en Jésus, c'est un homme, c'est vrai, on a vu, il est la résurrection, il est la vie. C'est pas seulement un jour, mais il est ça. C'est pourquoi celui qui met son confiance et son foi en lui, Jésus ne va pas les décevoir. Et donc ce soir, c'est vrai, j'encourage ta famille, je dis à tout le monde, ce Jésus habite là où deux ou trois est réunis en ce moment, il est là. Il est ici. Et je vais lui donner gloire de ce qu'il a dit pour l'humanité. Ça concernait Jean-Yves. Et il garde sa promesse que nous reverrons Jean-Yves à la résurrection. C'est réconfortant. C'est vrai, la tristesse vient avant. C'est vrai, on est des êtres humains. C'est vrai, c'est touchant. Mais il y a une promesse qui a été donnée. Et Dieu a toujours gardé sa parole. Et donc, je vous disais ici, quand je lis la parole ici, je vois comment Jésus peut parler en avance des choses. Et en parlant en avance, il dit, on va me prendre, on va me tuer en d'autres termes. Vous serez triste, mais je reviendrai. Il l'a dit, il l'a fait. C'est un homme fiable. Ses paroles ne déçoivent jamais. Et aujourd'hui, c'est toujours sa parole que nous avons. Elle nous décevra jamais. C'est les paroles garanties. Et donc Jésus va dire qu'il reviendra. Et Jésus est revenu après trois jours et trois nuits. On se connaît dans la mort, à la mort, dans la tombe, il est revenu. Et à partir de ce moment maintenant, Jésus ne va pas revenir en secret. Il va se montrer à plusieurs personnes. Donc il l'a dit, il l'a fait. Mais ce qui devient encore beaucoup très intéressant, c'est que ce même Jésus-là, le jour qu'on l'a crucifié, le jour où il est à la croix, le jour qu'il est mort, la Bible, je veux lire celui-ci, et c'est mon dernier verset. Ce sont les versets clés dans la parole de Dieu. Les versets clés. Et nous serions bénis ce soir, cet après-midi. Je termine avec Matthieu 27, 50 à 53. Je voulais juste le lire pour qu'on sache que le Seigneur fait ce qu'il promet. Matthieu 17. 27, pardon. Ça. Verset 50 à 53. Et on terminera bientôt après quelques paroles. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
étant sorti des sépulcres après la résurrection de Jésus, ces morts, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Deux choses. Jésus a dit, il va payer le prix pour l'humanité pour que l'homme soit sauvé. L'homme ait la connexion avec Dieu, son créateur. C'était par sa mort, c'était faisable, possible. Il l'a fait. Il y avait la tristesse. Ma fille, il est ressuscité. Et on l'a bien vu. Mais ce qui est tellement étonnant, frères et sœurs, ce qui est tellement enrichissant et bénissant, ce jour-là, la Bible a dit, quand Jésus a poussé le cri et tout, la Bible dit, les tombes, là où étaient les gens, sont ouvertes. Et ceux qui étaient morts, ils ressuscitèrent. Ils rentraient dans la ville. Et imaginons, si tu étais là ce jour, imaginons ton papa, ta maman, un ami, un cousin, quelqu'un qui était mort. À la résurrection de Jésus, des hommes sont rentrés, des gens qui étaient morts, ils sont rentrés dans la ville. Et plusieurs personnes les ont vus. Ce Jésus que nous sommes en train de parler aujourd'hui, et qui fait le même pour Jean-Yves. Ce Jésus a fait qu'il y ait la résurrection de plusieurs. Ils sont rentrés dans la ville. Et les gens les ont vus. Quel jour cela devait être? Un jour que quelqu'un tu connais qui était décédé depuis longtemps, un cousin, tonton, un ami ou une connaissance, Jésus a parlé de lui. Il a dit, après 3 jours, il reviendrait. Non seulement il a fait ça, quand il est revenu, il a amené avec lui plusieurs de ceux qui ont cru en lui. Et c'est pourquoi notre foi n'est pas vaine. C'est pourquoi notre foi n'est pas à la légère, parce qu'il y a une bonne suite à notre foi en Jésus-Christ. Et donc je veux vous dire aujourd'hui, j'ai la confiance, j'ai la conviction que comme vous le savez, Jean-Yves, ceux qui donnent leur cœur à Jésus sont avec le Seigneur. Et donc nous allons tout simplement, nous le honorons, nous reconnaissons, c'était une bénédiction que Dieu nous a donnée au travers de lui. Et mon Dieu, moi qui étais le pasteur de Jean-Yves pendant des années, je disais, mais Jean-Yves, je ne te vois pas comme ça, mais tu es où? Après tous ces témoignages, je vois où Jean-Yves était. Jean-Yves était dans la société. Jean-Yves était dans cette église. Il était partout. Et tout ce qu'il pouvait faire avec moi, c'est sourire. Et même moi, aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et 5 minutes. Alors, je vous disais que ce Jésus-là, il est toujours là. Il touche toujours les cœurs. Et c'est pourquoi, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, Dieu nous aime. Jésus a démontré l'amour de Dieu. Il a payé le prix pour l'humanité. Et tout le monde a le droit à la liberté d'avoir la vie éternelle dans le cœur si on croit en Jésus-Christ. Et dans les moments comme maintenant, c'est vrai, on sera, ça sera toujours touchant. Si mon père va partir, si ma mère va partir ou quelque chose comme ça, ça va me faire du mal aussi, ou un proche ou quelqu'un aussi, comme ça me fait mal avec Jean-Yves. Mais on est réconforté, on a de l'espoir, on a de l'espérance. Il y a un Dieu dans le ciel et qui parle toujours au travers des pasteurs qui sont ici pour nous bénir, pour nous montrer le chemin. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu envoie des gens pour nous dire, je pense à toi et j'ai préparé une place pour toi. La place qu'il a préparée pour tant d'autres, il l'a préparée aussi pour Jean-Yves qui a mis sa foi en lui. Jean-Yves n'était pas seulement un homme qui a servi dans des assemblées et des associations, mais il était aussi un homme par qui l'évangile était promulgué, l'évangile était répandu. Et moi je peux imaginer devant Jésus, Jésus devait être fier de lui. Tu as accepté de répondre aux bénédictions comme la soeur disait, pour donner de l'aide avec les associations, avec les cahiers pour les élèves et tout. Mais je peux imaginer quand Jésus le regarde, Jésus lui dit thank you, merci, tu as permis que l'évangile soit répandu pour ceux qui n'ont pas été dans une église ou quelque part exceptionnelle. L'évangile est rentré chez eux par la télé, par l'internet et par d'autres moyens. Que le Seigneur le bénisse grandement et que sa famille puisse avoir la grâce de cette bénédiction qui s'est faite. Que l'église y amène. C'est un homme qui a été utilisé. Une âme sauvée, frère, ça est très important. Et donc pour dire, Jésus, il a dit je reviens. Il est revenu. Mais il ne s'est pas contenté de revenir tout seul. Il a pris
beaucoup de personnes qui étaient déjà mortes. Et donc, je veux vous dire, quand nous mettons notre confiance en lui, il a fait une fois, il a fait deux fois, il a fait trois fois, il a fait quatre fois, il a fait cinq fois. Et il a décidé un jour, il va ressusciter tout le monde ensemble. Qui ont mis leur foi et leur confiance en lui. Donc c'est pas frères et sœurs, une petite chose. Et c'est pourquoi je le glorifie. Et c'est pourquoi nous sommes dans un certain camp maintenant. Parce que Jésus essuie les larmes. Parce que Jésus peut donner un nouveau départ. Parce que Jésus peut nous combler plus qu'on a été, on a souffert. Jésus n'est pas n'importe qui. Il est Emmanuel. Alors écoutez ceci. C'était le message avec le pasteur Johnny Dumas, hein, parce que nous servons Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosterne devant toi. Nous t'adorons, ô roi, et prosterne devant toi. Nous t'adorons, ô roi. Gloire soit à ton Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité, dure la perpétuité, son immense charité, dure la Amen. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est certain que nous ne pouvons rien emporter. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés dans un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut, en effet,
que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Sache que votre travail ne serait pas vain dans le Seigneur. Amen. Puisqu'il a plu à notre Père Céleste, dans sa sage providence, de reprendre avec lui notre cher frère Jean-Yves Masselin, nous confions ses corps à la terre, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de l'assujettir toutes choses. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, que le Dieu de paix, qui a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, ce grand berger, par le sang de l'union éternelle, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, qui soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Amen. Après l'enterrement, donc tout le monde est invité à l'église parce qu'il y a la famille et avec l'association des AC qui a organisé une collation et entendre tout le monde pour nous capable de rejoindre nous dans l'église là pour participer ensemble avec la famille et comme ça pour nous passer un moment pour nous encourager. Après l'enterrement, on se retrouve à l'église du Nazaréen pour un moment de collation. Allez,
Thank you.